Bonjour à tous, alors nous revoilà sur Scorch, j'allais dire Ragnarok l'habitude. Donc nous revoilà sur Scorch où la dernière fois nous avons fait quelques petits mutants de ce côté. Nous avons aussi nos deux Terror Birds, alors ils sont pas merveilleux, hein. Bon ils sont assez basiques. J'ai donc refait des œufs, tout plein d'œufs. J'ai calé les troudons ici aussi, mais... Ah, ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais dehors toi, hein? Ouais, viens là. Ah, les troutons sont infernaux, sérieusement. Ah ouais, non, là, ça va pas faire. J'aimerais bien pouvoir les porter, les troutons, ce serait pratique. Ouh, bah, forcément. Bon. Viens là. Chut, 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 chut. Arrête, pas bouger. Voilà, allez, tu bouges plus, tu restes là, c'est pas mal. Donc, nous avons beaucoup d'œufs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben on va continuer. On va continuer avec Terror Bird aujourd'hui. Allez hop hop. Alors. J'ai donc 5 enclos. 6 avec celui-là où on a les troutons. Je vais les arrêter. Ah, c'était en plus en valeur en fait. Effectivement. Je les ai arrêtés parce qu'en fait ils se reproduisaient ici, les petits naissaient directement. Ils avaient tendance à les piétiner et c'était pas extrêmement pratique. Donc j'ai remis le couple de base au travail. Ceux-là c'est ceux qui sont nés que j'avais gardés, qui étaient nés ici et qui étaient pas mutants. Il y en a un qui a pas suivi. Viens là. Je rappelle quand même que le troudon est censé être un dinosaure extrêmement intelligent. On galère un petit peu quand même, hein. Voilà. Alors. Tac. Alors, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux enclos. Là, je vais mettre des Terror Birds. Voilà, 10 ici. Je vais pas faire que les Terror Birds en même temps parce que... Ils sont un peu compliqués en fait. Enfin, compliqués, c'est vite. C'est juste que les Terror Birds, le souci, c'est que après, ils ne meurent pas. Ceux que je l'adopte pas ne meurent pas de base. Donc je suis obligé de tous les supprimer un par un. Ou les tuer au choix, mais. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas propre, c'est moche, ça m'en met partout. Et ça tâche le sol. Donc. Enfin, non, quand je les fais disparaître, c'est beaucoup moins amusant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que. J'ai plein de petits œufs de troudon, on va en refaire quelques-uns. Alors, du coup, je disais, les œufs. Du coup, on met les troudons. Je vais en mettre ici la moitié, l'autre moitié. Et on va faire quelques arcas à côté, hein. On a plein plein d'œufs, donc on va en profiter. C'est des naissances violentes. Ah, j'ai oublié de couper Discord. Là, si ça évitera que... C'était la présence des Valkyries, vous comprenez. C'était Daphné qui est en train de nous biper. Voilà, vous avez eu l'idée, les Valkyries pendant la vidéo. Allez hop, donc ça c'est bon. Ensuite, donc, les arcas, je sais pas combien de temps ils mettent à naître. Il me semble que c'est pas bien long. Mais je sais plus s'ils bougent beaucoup, donc je vais pas en mettre trop au début. On va y aller doucement. Voilà. Alors là, ça, on peut appeler ça une nurserie, je crois, là, effectivement. Alors des fois, vous avez peut-être des coupures de son. J'espère que ça va. Alors, qu'est-ce qui va éclore en premier? Alors, je peux pas trop m'éloigner parce que les trous d'onde naissent assez vite. Ah oui, quand même, les arcas, ça va, c'est bon. Allez, allons voir ça. Alors... Je
Je ne vois rien a priori. Ah, là. Ouais, non, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. On est d'accord. Non. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Vous voulez faire des cauchemars à l'aise, vous la mettez pendant 2 minutes dans un enclos comme ça, je crois que elle s'en remet jamais. Ouais, bah non, hein. On a rien. C'est vraiment des petits rats. Peut-être que le son de Arc est un peu fort là. Je vais baisser le son d'arc. Oh non, ça va. Je pensais l'avoir monté un peu plus. Oh là, par contre, on en a un. Là, on en a un. Et il est bien visible. Allez, viens là. Ok, je crois que c'est le seul. Je crois que c'est le seul. Je regarde le bout des ailes parce que le bout des ailes peut être muté. Oh, c'est vraiment une mutation ridicule, mais bon. Allez, pépère, viens là. C'est compliqué, hein. Je veux bien. Ouais, non, si, si, tu étais presque là, tu avançais. Ah là, on a rien. Pas l'impression. Voilà, bon, il est à l'écart, il se nourrira. Ah, là par contre, je crois avoir vu quelque chose. Ouais, alors, si je fais sur la porte. Oui, on en a un violet. On en a un violet. Ça, c'est bon, ça. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est tout. Alors, tac, tac. Et je vais quand même aller voir là-bas parce que je crois que j'ai rien vu, mais dans le doute, des fois qu'il y a des petits détails, non, même pas les. Ok, alors les troutons, ça en est où? Je crois que le ménage est assez rapidement fait en général. On va commencer à faiblir là. Faire des troutons pendant ce temps et les arcas vont pas tarder, je pense. Ça devrait pas tarder pour les arcas. Alors, donc on a récupéré deux nouveaux petits mutants. Hop. À la limite, je vais les sortir. Oh, ça sera toujours ça de prix. Viens là, papère. Allez, c'est compliqué, hein. Petit poulet. Allez, et toi? Viens là. Allez. Oh là là, c'est compliqué. Voilà. Ah, il y a quelque chose. Voilà, un petit câlin. Allez. Et ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. Ah, ça fait un boucan monstre quand même. Je profite juste de la place avec toi là. Écarter un peu les Terror Birds. Voilà, donc vous ne bougez plus. Et. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Alors, les arcas. Je connais très peu les couleurs naturelles des miens. Donc ça va être un petit peu compliqué au début. Alors. C'est comme pour tout, ça faut prendre le coup. Le museau vert, j'en retrouve plusieurs. Lui, je me demande si. Alors les arcanes ont des couleurs quand même très très space à la base. Ouais, non, c'est pas.
écoutez, pour les arcas, je vais faire une... Je vais tout adopter. Et je vais faire le tour, voir si... Je vais apprendre à les reconnaître au fur et à mesure, mais... Allez, venez par là. C'était pas en pack là-bas. Alors. Toi. Bon, d'un autre côté, je vais pas tous les garder. Hein. Ça, on est d'accord. Ça n'est toujours pas négociable. Voilà, je pense que je les ai tous là. Allez, venez là. Ça a l'air compliqué, hein. Bon, l'avantage, c'est que c'est assez fragile. Le souci, c'est que ça va être crade. Bon, je vous annonce de base. Mais ils sont trop, ils sont trop bas. Ah. Venez là. Bon, pendant ce temps, il y a les troudons qui font le ménage là-bas. Allez, allez. Ils sont coincés dans la porte en fait. Mais si j'ouvre avant, c'est eux qui vont bouger dans ce sens. On va attendre. Ils sont en train de. Bon, je pense pas que j'ai un. Que j'ai le moindre mutant dans le tas. Je vois pas de couleur qui me saute aux yeux en tout cas. Ouais. Alors on se retrouve après un petit nettoyage. Bon, c'est toujours un petit peu. Un petit peu tout sale. Mais ça va pas nous empêcher de continuer un petit peu. On va refaire les troudons. Ça va vite, le troudon, c'est. Ça me prend un seul truc, ça va bien. Et puis ben. Ouais, je vais m'axer sur les terres en bord principalement. Parce que pour l'instant, les arcas, il faut que j'apprenne à. Il faut que j'apprenne un peu les couleurs des parents. Ça me permettra de voir plus facilement parce que sinon je vais devoir tout adopter à chaque fois, ça va être compliqué. On va aller voir les parents vite fait après. Donc ça est clos. Alors du coup ici on va mettre du Terror Bird. Ou le Terror Bird au moins je leur perds vite quand c'est. Tac. Bon, je vais pouvoir en mettre un peu plus ici. Bon, je vais pouvoir récupérer des œufs. Alors attendez. N'hésitez pas à me dire, bon, j'ai déjà fait énormément de mutants, je ne referai pas les espèces que j'ai déjà fait.
Si vous avez un doute, bon, je pense que je referai un petit tour de ma propre base à l'occasion. Et ça relague. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces lags. C'est très très agaçant. D'habitude, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est la quantité d'œufs que je mets et les effets de fumée qui produisent ça. Bon, vous voyez, après le reste, c'est assez fluide. Du coup, je disais, oui, je referai peut-être un tour de la base vite fait pour vous faire visiter, si plus en détail peut-être. Mais la majorité, enfin, tout a été montré normalement par NES. Alors, du coup, je vais voir les arcas vite fait. Parce que le souci des arcas, c'est que je les ai planqués tout au fond. Ferme. Il y a des hyènes en promenade. Alors, que je regarde un peu. Donc, il y a le vert qui est totalement... Alors, le vert, il est validé, hein, il n'y a pas de souci avec ça. On a su... Non, tu sautes, voilà. On a celui qui est un peu plus noir. Ok. Donc, le ventre blanc, les plumes vertes, les plumes... Oh, grise, on va dire. Ça, c'est normal. Ah! Alors, ça va être compliqué encore. Là, non, c'est bon. Vite réglé, finalement. Alors, les trous dont sont toujours au boulot. Hein. Il n'y a pas de soucis. Oh, je peux tenir longtemps. Hein. A... C'est facile hein, de faire des œufs en boucle comme ça et puis de les faire éclore. Et surtout après, bah, faut faire le tri, quoi. C'est surtout ça. Le soir va tomber. Il y a les yeux qui commencent à briller. C'est ça qu'il faudrait que je fasse, des bébés. S'appelle déjà Mégalosaure. Bon, rien d'exceptionnel ici non plus. Hein. Non, c'est pas la journée des troudons aujourd'hui. Alors, ici, ça commence à éclore. On va faire dans l'ordre. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors, parce que sinon, la nuit, c'est bien compliqué de voir les mutations. Je ne vois rien. Ici. Je vois rien du tout non plus. Ah, il y a Daphné qui filmait de l'autre côté. Alors... Donc j'ai perturbé Daphné qui était en pleine... Non, toujours pas de mutant. Bon. Et là... Non. Non, non, non. Il
Lui, je pense que... Je ne veux pas avancer, mais... Voilà, il a bien... Ah, il avait commencé à réussir à suivre. Oh, quelle galère cette pauvre petite bête. Voilà, elle est bien. Il est tout blanc, tout blanc, tout blanc. Regardez ça, tout blanc. On va le faire grandir vite fait. Alors moi, je le trouve très beau. Bon, un peu à moitié mort là tout de suite, mais très beau. Viens avec moi. D'ailleurs, je vérifie si c'est encore de la viande, hein. Parce que ça serait bête dans le cas contraire. Viens là. Oh, c'est compliqué. Je suis d'accord, la porte est trois fois trop large pour toi, c'est compliqué. Eh ben, on commence à avoir une jolie série. Et il me semblait aussi, je commençais à m'inquiéter de la viande, mais effectivement, il n'y a plus grand-chose. Et ça se nourrit bien, ces petites bêtes. J'aimerais pas les perdre pour ça. On va faire un tour vite fait en récupérer de la viande. La base. Ah, ne dites pas à Daphné, hein, ça. Je vais me faire taper. Alors, je pourrais le faire plonger, sauf qu'en fait, ce griffon-là est pas très efficace. Je l'ai pas du tout monté en attaque, pratiquement, du coup. En fait, il est monté exclusivement, pratiquement. Marqué, je sais pas pourquoi je m'embête. Hein. Il y a un moment. Voilà. Voilà. Et ça lag. Mais là, ça se comprend. Hein. C'est. Il y a toute la base à charger, ça aide pas. Allez, on charge, on charge, on charge, on charge, on charge. Hop là. Voilà, on a approximativement tout. Allez, donne-moi ta viande. Avant qu'il y ait des décès. Ouais. Forcément, il se gave là, hein, parce que. C'est fou là, juste pour voir, parce que vous me semblez moins qu'hier. Oh, j'ai comme un gros doute. Non, j'ai eu peur. Oh là là, ça en fait du bruit. Bon, du coup. Voilà, c'est en train de mourir. Petit feu. Là, et ben là, on a des trous d'ombre qu'on réussit à passer. Hein. Et ben, on va faire un petit nettoyage. Alors. Il me reste combien là? Il me reste quoi?
écoutez, je nettoie et je fais une autre éclosion et on arrêtera pour aujourd'hui. Après, il va falloir que je commence à considérer là où je vais les mettre, parce que bon, c'est bien d'avoir des trous dans le temps, c'est bien d'avoir des terrains urbains mutants. Le souci, c'est que tout ça, bah, va falloir trouver une place. Et pour l'instant, je ne sais pas encore où. Alors, je pense que je vais les mettre dans la base des loutres, enfin de l'autre côté. On va voir exactement. Il y a. On va voir. J'y réfléchis. Et bah écoutez, je vais faire le ménage et je vous retrouve. Alors voilà, tous les enclos sont vidés. On va repartir pour un petit coup. Écoutez, et puis je pense qu'on va terminer sur la Terror Bird pour de bon. Hein. Je vais aller arrêter les parents. Les troodons, j'ai bien envie un petit peu aussi parce que ça prend beaucoup de place. C'est l'avantage des troodons. Bon, ça a beaucoup de désavantages, je crois que je me suis beaucoup trop chargé. Hein, Oui, il me semblait aussi. J'étais un petit peu gourmande. On va enlever un peu. Voilà. Donc oui, je disais, les troodons ont l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place. Donc c'est clairement pratique pour les mutations, parce que bon bah on peut en garder plus facilement plus, honnêtement. Donc je vais me faire un peu plaisir à ce niveau-là. Il y a la tempête qui se déclenche. Et à chaque fois que c'est quand je pose un œuf de Terror Bird. Je sais pas ce que. Il y a la tempête qui vient de se déclencher dehors. Donc en fait, on va pas sortir en un petit moment. Voilà, on est confiné ici. Alors là, il m'en restera un petit peu. Tac, tac. Les troodons, je vais les mettre là-dedans. Alors pourquoi là-dedans? Parce qu'en fait j'ai la plaque de verre sur le côté et c'est quand même vachement pratique pour voir si on a. Bon, j'en ai que 5, donc théoriquement il n'y a pas besoin d'un si gros truc, mais bon. J'en ai peut-être un de plus depuis, non, c'est bon. Allez, et dernier Terror Bird. Bon, on aura sûrement une autre éclosion du coup, vu que. Mais bon, ça va pas être beaucoup, beaucoup, ça va juste être ce qui restera. Parce que le temps que la tempête s'arrête, je vais pas traverser pour aller voir les parents. C'est très agaçant de traverser dans le. Voilà. On ne voit rien, je sais. Mais c'est Scorch. Avec ses. Alors, je t'avais en pourri en passant. Tac, tac, voilà. Il me reste cet enclos. Ça va pas changer grand chose, hein. Toutes les enclos sont ouverts en 80. Et puis bah du coup je vais balancer quelques arcades. Hein. Allez. Je vais en mettre un certain nombre ici. Je vais essayer de disperser un peu plus l'état parce que tout à l'heure ça a posé pas mal de soucis. Grand chose. Qu'il est posé. Pas qu'il est. Qu'il est ramassé. Voilà. Et je vais en mettre 2-3 avec des troupeaux parce que l'enclos est grand, ça passera bien. Ils seront vite nés. Voilà. Et ben il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à. Eux, ils vont pas tarder. Entre-temps, je suppose que j'ai récupéré un œuf de Terror Bird ou deux. Non, même pas. Ok. On n'a plus qu'à attendre. Allez, un petit mutant pour finir. Oh non, on va laisser les troodons tranquille. Eh ben non, par contre, j'ai eu des jumeaux, mais. Pas très intéressant. Tant pis. On va quand même aller du coup gérer les parents parce que.
souci. La tempête de sable. Bon, à la base, c'est une partie survie. Hein. Là, maintenant, je me mets. Je me mets les. En Infinity Stat quand je fais les mutants. Parce que bon, c'est. Qu'est-ce que. Ah bah oui, d'accord. Reste là, pour bouger. Bon. Les troudons ont visiblement réglé le souci tout seul. Hein. Ils se sont séparés eux-mêmes. D'accord, et ben on aura plus deux, hein. C'est réglé. Bon, je suppose qu'il y en a un qui doit traîner ailleurs, mais j'ai franchement la peine d'aller le chercher. Donc, le père, Terror Bird, c'est réglé aussi. Ah, les troudons, ils ont réussi à s'enfuir tout seuls, quoi. C'est. Ça, c'est gros. Bon, il y en a un là. Il doit en avoir un autre. Ah, il est là. Voilà. Allez. Écoutez, là, je vais faire ça. Il nous restera les archéos à finir. Les archéatérix. Ce nom particulièrement barbare. Et ensuite, je pense. Oula. Ensuite donc, outre la construction, parce que bon, bah, il va falloir que j'avance à ce niveau, je suppose que je vais tenter un peu... Je sais bien des mégalosaures, mais il faut que j'ai aille les chercher, parce que j'en ai pas. Je vais y réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Bon, a priori, je vois rien de fabuleux. Hein. Bon, bah on a déjà regardé, hein, il n'y avait rien. Allez, on va les regarder en détail. Ah, 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 bah eux, ça aurait été dur de les rater. Hein. Oh, des triples en plus, quoi. Et je crois qu'on a aussi le noir là qui est mutant. Attendez. Tac, tac. Ah, bah on va finir en beauté. Oui, le noir. Voilà. Je crois que c'est tout. Attendez. On va sortir cela. Allez, venez là. Pintade là. De... Alors, le risque, si je fais disparaître les autres, c'est que je le fasse disparaître avec. Enfin, je vise bien. Hein. Bon, bah au moins il est décoincé. Hein. Non? Si, peut-être. Non, il n'est pas décoincé. Je vais réussir à défoncer tout le bâtiment, mais pas ce que je veux. Hein. Je me sens bien parti comme ça. Non mais c'est une blague. Là. Eh hey, viens là. Tu m'as assez compliqué la vie là. Il a pas assez à remonter, hein. Si c'est bon. Commence à naître, je vais les surveiller parce que je sais pas combien de temps ils survivent, alors que Terror Bird, eux, c'est beaucoup plus tranquille. Et là, voilà, au pire. Bon, là, vous allez me bloquer le passage. Tu vas faire des bébés, toi? Voilà. Donc, les archéos qui vont passer en priorité parce que. Je vois rien d'exceptionnel. Je crois qu'il y a rien de... Non, non, non. Le prix, il a, me semble très très gris. Et je crois pas que j'ai un gris comme ça. Non, rien du tout. Non.
Bon, bah écoutez, je pense que de ce côté-là, on n'aura rien. Ok, je vais aller regarder de l'autre côté. Et je vais finir avec les terrains repas d'après. Ah oui, puis alors il y a ça aussi. C'est là, toi. Non, on n'a rien d'exceptionnel. Allez. Alors, ici. Non. Alors, à mon avis, terreur en peur de mutants. J'ai dû en rater des tonnes. Parce que ils peuvent avoir juste les plumes qui changent de couleur. Et ça, pour le voir, c'est galère. C'est-à-dire que c'est juste les plumes là au bout des ailes qui peuvent changer de couleur. Mais bon, c'est même si ça se fait, j'ai envie de dire, c'est pas non plus une perte si je les ai ratés parce que... Ah, toi par contre. T'es un joli gaillard. C'est le seul, ok. Et là, on a déjà fait. Alors. Je vais prendre ça, hein, parce que bon, c'est... Et puis on va... Attendez, je nettoie juste ici. Voilà. Et on aura fini pour aujourd'hui. Je pense que la pêche n'a pas été mauvaise, hein, franchement. On a eu des très jolies. Tac. Oh bon sang. On va s'en donner une, hein. Donc oui, j'expliquais, en fait, à la base, c'était bien un mode survie, et le truc, c'est que, bah, j'ai tellement joué, là, je suis niveau 100, j'ai plus, pour enfin, la survie en elle-même, j'ai cru qu'il y en avait un mutant qui était rouge, mais pas exactement. Bon, mais écoutez, je crois qu'on a tout pris, hein. Je sais pas s'il meurt avant d'être adulte ou pas, on va tester ça. Et là, il va falloir que j'arrive à sortir. On va essayer de le sortir parce que j'ai un peu peur que... Allez, viens, pépère. Voilà. Bon, tu arrives? Voilà. Eh ben écoutez, je vais nettoyer tout ça. On va finir la vidéo là-dessus. Ah, peut-être que... Attendez, parce que... Bon, bon, on aura un terrain en bord la prochaine fois. Les archéotérix, je les ferai dans la prochaine. Écoutez, ils me parlent pas plus que ça au final. Je pensais apprécier et me dire que. Ils ont une bonne tronche, hein. J'aime bien les archéotérix. Mais je sais pas, il y a. J'ai beaucoup de mal à repérer à leur couleur. Je trouve que c'est compliqué. Par exemple, lui, là, j'ai envie de me dire qu'il est mutant. Mais en fait, il l'est pas du tout. Faut quand même vérifier, mais c'est un de bon en plus. Hein. Mais tu l'es pas du tout, hein, on est d'accord? Ouais, bah non, tu l'es pas. Hein. Écoutez, hop. Alors. Ah oui, j'ai juste enlevé le...
Et bah écoutez, je vous laisse ici. La prochaine fois, je ramènerai un peu tout ça dans leur nouveau chez eux. Parce que. Benoît, t'es bien mutant, toi. D'accord. Parce que bon. Oui, sans doute. Et ben voilà.